Certains vont se poser la question à savoir pourquoi je leur présente cette image. Regardez bien l'image. En photo comme ça, vous ne pouvez pas bien comprendre le message. Je vais mettre la vidéo. Et cette vidéo, ou bien cette image que je vous présente là, faites attention. Là, je m'adresse beaucoup plus aux benguistes. Vous savez que quand vous revenez en Afrique, les Africains sont trop jaloux. On connaît l'histoire des benguistes, on connaît ce qui se passe. Même quand tu annonces, même seulement que tu as eu le passeport, que tu as eu le visa, on connaît ce qui se passe. Quand tu annonces seulement que tu as eu ton visa, on connaît beaucoup d'histoires. Ici, d'ailleurs, après avoir obtenu le visa, vous n'allez pas prendre ça dans ma bouche. Donc, j'attire votre attention avec cette image. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Et ça ne concerne pas seulement les benguistes. Même ceux qui ont déjà un peu réussi dans leur vie, vous devez faire très attention. Regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes en Côte d'Ivoire, comme je disais, et l'artiste que vous voyez là, c'est Kérosène. Je ne sais où c'était, à quel événement. J'ai vu ça sur la page du Père Danlois. Le Père Danlois, vous connaissez tous le Père Danlois, Côte d'Ivoire. Donc, on accueillait l'artiste Kérosène. Je ne sais où c'était, à quelle occasion. Mais ce qui a attiré mon attention, pendant que tout le monde, il y a la fanfare, il y a les gens qui jubilent, il y a les gens qui sont fiers de voir l'artiste Didier Kérosène, une maman, comme vous voyez en image, vient embrasser Kérosène. On voit bien de l'amour. Mais regardez l'autre maman là qui sort derrière, qui envoie la main sur la tête de Kérosène. Et le gars attrape. Oui, ne blaguez pas avec ce genre d'image. Nous sommes bantous, méfiez-vous. C'est-à-dire que le gars, on voit généralement des trucs comme ça dans les films nigériens où soit une mère qui vit avec l'enfant de quelqu'un d'autre dans sa maison, elle passe souvent la main comme ça là pour prendre ses chances. Parfois, dans les cérémonies, vous êtes en train de danser comme ça, un sorcier vient faire la main comme ça là soit pour ramasser ton pouvoir, ou soit pour prendre tes chances, ou bien je ne sais pas trop. On voit généralement ça dans les films biafrais, les films ghanéens. Alors là, nous sommes en train de vivre en live avec Kérosène. Vous pouvez m'expliquer ce que cette maman-là cherche sur la tête de Kérosène? Imaginons donc un instant que Kérosène n'était pas vigilant. Imaginons un instant que l'artiste n'était pas vigilant. La maman-là a préparé quoi pour l'artiste? La maman-là était en train de vouloir faire quoi à cet artiste? Quand tu vas voir seulement comme ça, tu vas te dire que non, c'est rien. Après, tu vas entendre seulement accident. Pam! C'était bon. Soyez prudent. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Donc, quand vous sentez déjà que vous devenez déjà un homme, que vous devenez déjà quelqu'un, que vous devenez déjà important dans la société, vous devez être très méfiant. Vous devez être très, très prudent. Parce que les méchants sont partout autour de nous. Ils rôdent là. Comme l'épervier qui calcule un poussin qui va attraper. Dès que tu fermes l'œil, les gars ne te ratent pas. Et après, on va accuser les loges, on va accuser ceci, on va accuser cela. Pourtant, c'est le méchant qui ne veut pas te voir évoluer, qui est juste là. Pendant que tu te bats pour avancer, lui, il se bat pour t'enterrer. Ils sont nombreux dehors. Ne blaguez pas avec ça. Ne blaguez pas avec ça, les amis. L'image que vous voyez là, beaucoup de personnes subissent ça. Beaucoup de personnes, je me rappelle quand je me mariais, quand on est sorti de la mairie, on faisait le tour de la ville. Une femme était venue en public avec une bouteille de bière, nous donner. Nous donner. Vous vous rappelez l'histoire? J'avais expliqué ça. Heureusement, j'avais la sécurité, on a directement bloqué cette dame. Pendant qu'on détachait les cadeaux, on avait mis aussi également une sécurité parce que nous, on ne prenait pas les cadeaux. C'est toujours la sécurité, la garde qui prenait les cadeaux.
Même pour détacher les cadeaux, ce n'était pas nous. On avait fait appel à une tante, mon épouse. Ce sont deux tantes, sont les tantes là qui détachaient les cadeaux. Vous savez ce qu'on a vu dans l'un des cadeaux? Un vieux nounours emballé. Vieux nounours emballé. C'était pourquoi? C'était pourquoi, les gars? Soyez prudents. Les jaloux, les méchants, les sorciers, les démons, ils sont toujours là. Ils vous guettent. Pendant que vous avancez, ils disent toujours que un jour, ils sont toujours les héros. Ils rôdent. Dès qu'ils vont réussir, pas pour moi, dès que non. Est-ce que son succès là a été aussi simple que... Non, c'était pas simple. Non, c'est l'éloge, non. C'est, on va tout accuser. On va même coller ça sur l'image, même peut-être d'un vieux père au village qui ne sait même pas si tu existes. On va dire que c'est le vieux père là-même qui t'a tué. pourtant, c'est quelqu'un même que tu ne connais même pas. Ce n'est même pas un membre de ta famille. Je ne suis pas sûr que la maman qui est venue vouloir faire du mal à Kérosène là. Parce que moi, j'appelle ça faire du mal. Parce que si on lui demande qu'est-ce que tu voulais faire, elle va dire qu'elle voulait faire quoi? Elle fait quoi sur la tête de Kérosène? Elle cherchait quoi? Parfois, certaines personnes viennent vous embrasser comme ça, alors qu'ils ont préparé leur corps. Quand vous organisez vos événements, vous embrassez tout le monde. Vous jouez certains mariages ici dehors. Vous célébrez votre mariage, vous embrassez tout le monde. Vous êtes content, vous riez avec tout le monde, vous pensez que tout le monde est content. Le diable n'aime pas l'amour, que tout le monde est content de vous voir vous unir. Vous finissez d'embrasser les gens comme ça, vous cherchez l'enfant même pendant 15 ans. Pendant 20 ans, d'autres même ne retrouvent même jamais. D'autres même, ils finissent d'embrasser les gens comme ça, là, au retour. Accident, pap, on a vu plusieurs cas comme ça. Les gens sont mariés, sont morts au retour. Ils sont nombreux. Des cas d'empoisonnement même pendant le mariage. On a vu tout ça. Le monde est méchant. À chacun d'être plus là. Et qu'on va parler comme ça, vous allez dire, je maîtrise. Maîtrisez. Voilà Kérosène qui nous envoie un message très fort. Voilà Kérosène qui nous envoie un message puissant. La matin, papa, le gars, il m'a attrapé que laisse mes puissances, laisse mon pouvoir, laisse. Ne parle pas avec, rentre avec ta malchance. C'est ça. En tout cas, si vous maîtrisez, continuez à maîtriser. C'était le général Franco. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Voilà, il y aura toujours des vidéos comme c'est éducatif. Pour ceux qui n'ont pas l'esprit ouvert. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Partagez pour m'encourager. Ciao. Bienvenue au laboratoire Photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photos de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672 30 37 85 697 39 27 28.